Hello à vous les amis, ici Fred Laolès. Je suis sur notre serveur 1.9 hein, dans la série Dissident World. Je suis seul pour le moment, car on va faire vite fait, hein, avant de retrouver Danny, une petite construction. Voilà, donc je me remets F5 et je remets le F1. Comme vous voyez, mon inventaire est full. J'ai pris, j'espère que je n'ai rien oublié, j'ai pris tout ce dont normalement j'aurais besoin. Donc voilà, donc on est enfermé là, on doit monter, on va faire un petit peu de place hein, de toute façon on va faire un petit peu de place à notre dernière incursion dans le Nether. Donc avec Danny on avait tu m'as fait peur toi. On avait donc protégé le portail. Pour le moment, le sable des âmes, il reste par terre. On va le prendre, hein, le sable des âmes, mais pour le moment, on est full. On va poser la porte, la glowstone. Je sais pas pourquoi j'ai pris de la glowstone. C'est peut-être pour faire joli. On va voir. On va voir ce qu'on va en faire. Voilà, les pelles. Et puis, j'ai pris pas mal de pioches. Comme vous voyez, ma pioche en diamant est assez usé, et le Nether, c'est pas fait pour arranger. Bon, la hache là-haut, elle servira à rien, mais bon. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Il va falloir poser la table de craft. Le sable des âmes, on va le garder parce qu'on fera les plantations. Je vais essayer d'aller vite pour pas vous faire un épisode total maintenant. Parce que on va retrouver Danny. Après, les lingots de fer, je sais pas pourquoi je les ai pris, je les ai gardés. On les ramènera pendant que quelqu'un m'appelle sur Skype. Hop, écoutez, je vous mets un petit peu en pause, je regarde, c'est peut-être Danny. Non, ça n'est pas Danny. Hop, voilà, je reviens tout de suite vers vous. Voilà, je ne vous cache rien, vous voyez, mais alors vraiment rien. Alors, je vais ranger mes outils que j'ai pas besoin ici, parce que c'est vrai que dans le Nether, voilà, je pense jamais aller. Voilà. On n'a que 5 steaks, mais ça, c'est pas grave. On va ranger les boutons. Vous l'aurez compris, c'est pour la porte. Vous l'aurez compris aisément. Hop. Alors, on avait des ghasts qui nous embêtaient. On avait un portail ailleurs. La première fois qu'on a généré le portail, il n'était pas là. Il était un petit peu décalé. Je m'excuse pour ce Skype, je vais m'y déconnecter. Attendez. Ah oui, mais je voulais pas m'y déconnecter au cas où Danny arrive sur Skype. Que je lui dise de venir. Si j'ai le temps de faire tout ça. Je vais déblayer un petit peu en off. Hein, vite fait. Je vais déblayer un petit peu en off. Et puis, je vous retrouve pour la construction. A tout de suite, les amis. Peut-être que Danny sera arrivé à ce moment-là. On va voir, à tout de suite les amis. Oh les amis, donc voilà, j'ai posé quelques petites bases et nous allons voir ça. Je suis parti sur un pattern assez simple. Danny veut me faire une tour qui monte jusqu'au toit du Nether, hein, jusque tout en haut. Donc nous sommes partis sur un petit pattern de tour, n'est-ce pas? Comme ça, tranquillou pépère. Là, j'ai posé de la dalle hein, pour ah, je pars de côté pour garder des blocs parce que 3 blocs font 6 dalles. Forcément, on y gagne au change. Là, ça sera les portes. Forcément. Alors, on va faire comme ça. Hop, on va mettre. On peut mettre de la dalle et mettre des portes dessus si elles sont au niveau supérieur, je crois. On va monter en sculpter, il nous en reste plus tellement hein. Hop, on va monter quand même assez haut et comme je vous l'ai dit, Danny voulait faire bloc de quartz sculpté. J'ai pas les autres quartz sculptés ou j'en ai d'autres peut-être. Quartz sculpté, oui, j'en ai là, quartz sculpté, voilà. Danny voulait faire une grande tour qui monte donc tout en haut hein, sur le toit du Nether ou vers le toit du Nether, ou je ne sais pas exactement comment il veut faire. En tout cas,
On va donc démarrer cette première tour. On a un petit coup de lag. Hop. On va donc démarrer cette première tour. Alors là, évidemment, on fera de l'espace ici, hein. C'est bien histoire de dire on démarre la construction. Voilà. Ah, j'aurais dû prévoir 4 boutons dans ce cas. Mais je savais pas que je ferais. Je savais pas que je ferais une double porte quand je les ai pris. Vous savez qu'on fait les portes par 3, donc c'est pour toi ça que j'ai 3 portes. Voilà, vous savez tout, vous savez tout. On va démarrer comme ça. On va mettre des blocs, hein, pas des vitres. Pas que j'ai pas confiance au Ghast, mais si en fait j'ai pas confiance au Ghast. Ils sont sournois, les Ghasts. Mais moins putes que les Creepers, faut bien le reconnaître. Faut bien le reconnaître. Hop. Donc là, on part sur un pattern assez simple. Hop. Tac, on va. Hop là, hop là. Je t'ai vu. Je me cache. J'ai caché. C'est chiant ce sable. Ouais, si je suis deux en plus. Ah mais il y a un trou, c'est pour ça. Allez, arrête de te frotter. Ah! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et voilà. On va voir s'il a pleuré, s'il est assez près. Ça, c'est une torche là-bas. Ah, il est tombé près de la lave quand même. Ouais, il y a de l'XP, il y a de l'XP très près de la lave. Alors s'il y avait une larme, eh ben, il y a 50% de chance qu'elle soit tombée dans la lave. Ça m'a fait pareil. J'ai eu un ghast à peu près au même endroit. Aussi pareil et voilà quoi. Pourquoi j'ai des blocs de quartz? Ils peuvent casser le quartz? Non. Dites-moi pas ça qu'ils peuvent casser le quartz avec leur boule. Avec leur bouboule. Parce que là, je commence à être inquiet, voyez-vous. Si je fais une construction en quartz, c'est qu'à chaque fois il faut la refaire. Alors est-ce qu'on montera en vitre peut-être? Faites voir. Parce que la vitre, ils me l'ont pété, mais ça, bon, ils m'ont vu. C'est normal que la vitre, ils la pètent. Par contre, il va falloir en farmer de la vitre si on fait comme ça. Calvaire. Parce que là, je suis inquiet. Vous avez vu, hein, il a pété. Ils ont pété les. Il a pété le quartz, quoi. Là. Ça ira plus vite. Je me fail toujours quand il faut que je fasse des. Il faut que je fasse le contour à la souris. On va faire en tout cas. On va monter jusque là, nous, écoutez, puis on va faire un toit, hein, tout simplement. De toute façon, quand on sera à l'intérieur protégé. Ils ne nous verront pas. Et là, c'est le sculpteur. J'ai eu.
Fred, t'as une main droite aussi, c'est vrai. Alors on va mettre bloc de quartz, comme ceci, n'est-ce pas? Et dans la main droite. Voilà, comme ça je vais le sculpter, vous voyez? Je vois que ça ressemble au sculpté. Par contre, si je me fais en sautant, ça va me le remplacer par le quartz normal, puisque ça va. La main gauche va prendre le relais. Et voyez que c'est beaucoup plus pratique à bosser. Hop là, on va passer à. Alors, est-ce que je fais des portes là? Ouais, hein, ça serait bien qu'on puisse sortir des deux côtés. Hein. Et en plus, j'ai le fer. J'ai pas la roche pour faire les boutons, mais j'ai le fer. Donc, au pire, ah, vous voyez, c'est le. J'avais plus de quartz normal, donc c'est la main gauche qui a pris le relais. Hop. Ouais, si je fais les portes. Toute façon, il va falloir en faire. On va en garder juste deux pour le plancher. Voilà, on va les mettre tout de suite. Ce qui est con, c'est que je suis obligé. J'ai une, il me reste une porte. Je sais qu'on n'en a pas à la maison. J'ai entendu pleurer encore. Je sais qu'on n'en a pas à la maison, mais on est obligé d'en faire trois quand même. Oui, tout à fait. Hop, et je suis obligé de faire le tour pour rentrer, n'est-ce pas? Puisque j'ai pas les boutons qu'il faut, je les mettrai plus tard. Voilà, il reste deux portes en fer. Écoutez, ça servira toujours. C'est ce qu'on se dit, hein. En général, c'est ce que vous vous dites chez vous quand vous avez des petites merdes, vous savez. Vous voulez pas jeter, hein? Vous voulez pas jeter et vous vous dites, ça servira toujours. On va mettre un bloc, c'est pas bien grave ça. Hop, partir. Là, on va le mettre de là en espérant que. Et si je pars en haut, 1, 2, 3, 4. J'en ferai bien 4 de plus, vous voyez. Hop, que ça monte tout en haut et qu'il y ait le toit après, ça ferait pas mal. Et pourquoi pas y faire ici aussi. Mais là, il va falloir farmer le sable. Oh oh. En tout cas, on se retrouve. Ce que je fais, je monte tout ça. Hein, vous avez vu le truc. Je monte tout ça et on se retrouve après. Pour le moment, il n'y a pas d'Annie. On est en journée. Puis on est posé. Il va peut-être pas tarder. Donc à tout de suite, les amis. Re à vous, les amis. Me revoilà. Alors, hop. Voilà, j'ai fini la construction avant que Danny ne se connecte. Il doit faire des choses. Il est parti. Nous sommes en journée, donc il a dû partir l'après-midi. Voilà, moi et les boutons. Ah! Ah! Hop là! Donc voilà, quand on fait le tour, donc ça, il faudra déblayer, hein, mais comme Danny veut monter la tour jusqu'au toit du Nether, voilà, ça fait un bon début de tour. J'ai quand même fait un plafond. Hein, à la tour pour être protégé par le dessus hein, de ces vilains gaz, des tireurs de boules de feu. Je vais quand même vous montrer un petit peu vite fait. Hop, hop, voilà. Voilà. Tout simplement, ça donne ça. Hein, tout simplement, donc les pigs peuvent spawner au-dessus et puis ils tombent et ils se font mal, mais ils ne sont pas aggro vu qu'ils se font mal tout seuls. Voilà. Hop. Des fois, les petits ont des coups de speed, tu sais, ça te fait un petit peu flipper. Mais ça, c'est bon. Puis là, 1,8. En tout cas, voilà la tour, hein.
le début de la tour, puisque Dany veut la monter beaucoup plus haut, donc c'est un début. C'est un début. Alors évidemment, peut-être qu'elle évoluera, qu'elle changera, je ne sais pas. J'espère qu'elle sera au goût de Dany, en tout cas. Ben moi, elle me plaît bien, hein, franchement, elle est assez sympa. Elle est assez sympa, cette petite tour. Enfin, je trouve, hein. Dites-moi dans les commentaires. Alors, je reprends mes petites affaires. Ouais, ça, je le ferai en off. Parce que là, c'est sûr, quand je me reconnecterai, et hop, double 5, quand je me reconnecterai, je serai avec Dany. Donc, à tout de suite, les amis, avec Dany Ça va ma Pingouin. grosse chatte? Bah oui, ça va ma grosse chatte. Bah Oh, à vous, oui. pendant que Oh, bâtard de merde! Dany parle à sa grosse chatte. Enfoiré! Non, un peu ça, mais comme c'est une fille, bah, je dis ma grosse chatte. Tiens. Donc voilà, nous revoici avec Dany. T'as vu, ils sautent, mais ils n'arrivent pas à m'attraper. Vous êtes débiles. Qui n'a pas ragé, car il faut dire qu'on a enregistré. Oh, regardez! Comme par magie, un beacon! Ben oui, on l'avait enregistré, mais non, merde. Non, 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 non. On ne l'avait pas enregistré. J'ai oublié de Il m'a fait croire qu'il avait enregistré. Il avait appuyé sur F9, donc la touche par défaut sur Fraps pour lancer un enregistrement. Sauf qu'il n'avait pas lancé Fraps. J'avais Donc pas tu ouvert appuies sur Fraps. F9 pour un rien. J'avais pas ouvert Fraps, donc j'ai lancé l'enregistrement sans Fraps d'ouvert. Donc, je m'en suis rendu compte qu'à la fin de l'épisode, on a fait tout l'épisode. Et à la fin de l'épisode, au moment de dire au revoir, je dis merde, j'ai pas lancé Fraps. Et du coup, Dany a pris une voix de Stéphane Bern pour me dire je ne te hais point. Nous n'entendons plus Dany là. Attends, je réponds à une pote. Ah, attends, attends, il répond à une pote. Oh, il y a une nana qui a visité mon profil sur le Levo. Bon, alors c'est parti, on va dans le Nether et on va tuer Donc voilà. quelques Wither tout court, quelques Dany. Wither squelettes pour pouvoir se refaire un Wither, pour pouvoir se Voilà. faire un deuxième beacon. Arrête de m'envoyer des messages! Pardon. Pourquoi ils sont aggro? Parce qu'ils aiment pas ta gueule. Donc Dany m'a dit je ne te hais point avec une voix de Stéphane Bern. Ouais, je vais mettre là et je vais prendre la Fireball. Moi, avec une voix de Stéphane Bern. N'importe quoi. Bon, Donc alors, voilà. on prend potion de fire résistance, Oh, mais ils m'en veulent toujours. potion de force et potion de fire résistance. Ils m'en veulent toujours, dis donc. Moi, je m'en fous, même bien. Mais merde, je déteste les portes en fer. Bien sûr, la seule connerie que t'as pu installer ici, c'est des portes en fer. Merde, je me suis trompé de côté. Oui, parce que... Merde! Ah bah du coup, je les ai aggro, du coup, j'ai tapé avec ma flèche. Alors, c'est par où déjà? Il me semble que c'était de l'autre côté. Oui, c'est de l'autre côté, c'est Bonjour les vrai. pigmen! Vous êtes aggro contre Fred? Vous le tapez pas, vous le touchez pas ou je vous bute! Allez, viens, je fais ton garde du cœur. Mon garde du cul. Du corps! Ou du cœur, à la rigueur, c'est mignon pour un couple, mais garde du cul. Donne-moi ton Un corps. gast! Sors ton arc! Ouah, j'adore! Je l'ai eu. Fais gaffe, tu te fais attaquer! Bah oui, ils sont tous aggro, je comprends pas pourquoi, je les aime, moi. Attention derrière toi! Oudor! Et toi, le petit, tu touches pas, Fred! Et toi, bah, vu comment t'es lent, de toute façon, t'es pas prêt d'aller la toucher. Hein. Bon, c'est bien, ça nous fait de l'XP, écoutez. Oui. Alors, est-ce qu'il a pleuré, ce fils de catin? Pour pas dire C'est-à-dire fils de pute, pardon. que tout à l'heure, j'XP en tapant donc des piggy et j'ai pas fait gaffe que ma potion était finie et j'ai tapé un piggy et du coup. Il n'a pas pleuré. Cassons-nous. YOLO. Et du coup, le piggy, Toi, il a touche pas pas Fred. Toi, aimé. touche pas Fred non plus. Oh! Je me suis fait éjecter! Putain, j'ai plus que 3 cœurs! Touche Salopard! pas, je vais le buter. Ouada! Je l'ai pas eu. Je l'ai eu en premier. Je Oh, une pépite. sais pas si je vais rester en vie. Tu veux que je te tue? Non. Je Aïe! combats. Bah dis, T'es gentil. Bon, barrons-nous vers la forteresse. Déjà, ils seront peut-être moins gros en se barrant un peu plus loin. Le crois-tu? Il me semble qu'ils vont s'en aller. Bonsoir à tous, je suis Stéphane Bern.
Toi, le pigman, tu crèves, tu fais pas chier. T'arrêtes d'aggro, mon copain. Sinon, je te jure, je te baise. Toi aussi, je vais te baiser, ça va aller plus vite. Bonjour la forteresse, j'y vois que dalle. Donc enfin, voilà quoi, j'ai oublié de lancer le rec et je l'ai eu dans le rec, Tom. Enfin, j'ai pas oublié de lancer le rec, j'ai oublié de lancer Fraps. Est-ce qu'on l'avait vu ce coffre ? Alors moi j'ai trouvé deux coffres qu'on n'avait pas vus, pourtant c'est notre forteresse. Et ces deux coffres, ouais, je les ai trouvés tout à l'heure en faisant un trou dans la forteresse du coup pour rentrer. Donc, bonjour, je viens pour tous vous buter. Comment allez-vous les enfants ? Bonjour petit Blaze. Pas trop blasé ? Oh. Je suis humoriste. Alors, mariage, là. Baptême, bar mitzvah. Exactement, n'hésitez pas à faire appel aux Pingu Follies. Oh. Et en plus, quand il le faut, je m'habille en fille. Non. Ça, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé de faire le con, hein, mais bien en fille, mais... Bah, on l'a d'ailleurs, on l'avait d'ailleurs vu. Ah, waouh, mais le squelette, que fais-tu ? Je ne suis pas ton ami. On l'avait d'ailleurs déjà... Merde, j'ai pas pris ma pioche. Ah oui, c'est vrai, ML2G m'avait lancé au défi de m'habiller en fille durant une vidéo, parce que j'avais perdu un gage avec des hashtags, parce que mes abonnés ne sont pas fidèles. Voilà. La preuve, je fais plus de vidéos, j'en ai perdu une centaine. Bon. Eh ben, c'est les 100 qui sont partis. Eh ben, au revoir. Voilà, je peux rien dire d'autre. J'ai pas mieux. J'ai beaucoup trop de looting. Bonjour, toi, tu meurs. Bonjour, toi, tu meurs. T'es pas bonjour à toi, là, tu meurs. Hein. Ce n'est pas bien de se moquer des handicapés. Donc, hop et hop. Donc là, je peux tuer du pif. J'en ai plein dans la culotte. Alors, on va aller dans la forteresse. Sinon, comment allez-vous depuis... Enfin, voilà, j'ai oublié de lancer Fraps. Comment allez-vous parce depuis que l'ellipse ? Vous, c'était tout à l'heure. Moi, c'est le lendemain. C'est pour ça que bah, voilà, j'avais arrêté l'ordi, j'avais arrêté Fraps, j'avais tout arrêté. J'ai oublié de relancer Fraps. Et on a tourné un épisode dans le vide. Ça nous a fait un entraînement, hein ! Bon, c'est bon, j'ai dû boire mon seau d'eau, mon seau de lait. Je sais faire le loup. Moi, je sais faire l'hélicoptère avec ma bite. Oh. Elle doit être bien molle, dis donc, pour tourner comme ça. Je te permets pas. Oh, c'est bug de génération, ça, ou... Génération. C'est une génération. Hop là, voilà, je préfère mettre de... Par contre, j'ai oublié de prendre ma pioche, n'est-ce pas ? Tu es bien con. Je ne peux pas piocher. Bah oui, mais j'avais tout posé pour faire le Weezer. Croyant le record. Vous êtes bien laide, mais vous êtes bien bonne. Oh merde ! J'avais plus de potion de force. Les pigmen sont aggro contre moi. Ah, y a pas que moi qui fais des conneries. C'est pas grave, j'ai une potion de... Oui. Bah, je vais buter tous ceux qui se ramènent vers moi, comme ça au moins ça me fera de l'XP. Voilà, bonjour monsieur, toi tu veux mourir aussi ? Eh bah tu crèves, voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue, installez-vous, voilà. Je me suis enfermé dans une arène. Comme vous pouvez le voir, je suis complètement perdu. Nu, au milieu de la forteresse. Bah alors j'accours. Où il n'y a pas un chat. J'avoue que là, il n'y a pas un chat. Ni de grosse chatte. Oh, il y a ma grosse chatte. Ni de... Hop. Hop, là ça monte d'une part. Oh non, le pigman, tu commences pas, hein. Ah, oh, tu viens te vénère contre moi. Tu sais que je vais te niquer ta race. Wesh, comme tu parles, gros. Vous êtes aggro, vous ? Non, vous n'êtes pas aggro. Parce que vous êtes maigre. Parce que vous êtes aggro-gros. Oh. Aggro-gros. Ah oui, j'entends AU. Oui, c'est pour moi. Ce sont des fans. Ne cherche pas. Parce que je viens de les critiquer il y a deux secondes, donc ils aiment pas, donc ils s'énervent. Ah. Merde, je me suis trompé de côté. Oh, mais t'arrêtes de me courir après, toi, hein ? C'est bon, hein ? Tu n'auras pas d'autographe. C'est pas un autographe qui veut. C'est ta mort. C'est comment vous voulez dire ? C'est votre postérieur. Ah, il veut me... Ce n'est pas mon kiff. Mais c'est le sien.
Même si beaucoup pensent que je le suis, non, ce n'est pas mon kiff du tout. Bah oui, mais c'est le sien. Par contre, niveau Wither Squelette. T'as fini de faire du base jump, toi? Mais arrêtez de m'aggro! Oh, je viens d'en voir un tomber, tu n'es pas loin. Je vais reprendre la potion de Strange parce que. Hop, voilà, merci de me looter toutes vos épées à la con qui ne me serviront à rien. C'est des cadeaux. Oui, mais souvent les cadeaux des abonnés, c'est des cadeaux de merde. Oh, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas Salut. bien. Wesh wesh, monsieur. YOLO! Suis un dingue, moi. Hop. Hop. Yoli, yolo, la 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 la, yoli, 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 yolo. J'adore tuer les pygmènes. C'est ma pra. C'est ma pra. C'est ma pration. C'est ma pression. Depuis que je suis tout petit, j'adore. Ouais, bon, il y a tellement de rimes avec petit que je vous vois arriver déjà derrière votre écran, hein. Spaghetti, direct. Parce que c'est tellement bon, les Oh, un spaghettis. Wither squelette. Je vais le buter, je vais le Oh, buter, je vais le deux Wither buter. squelettes. Ils m'ont empoisonné. Oh, trois Wither squelettes. Je vais les buter, laisse-moi faire! Ah ouais, mais non, ouais, je veux pas me faire empoisonner. Ils m'ont rien looté. Moi non plus, mais j'en entends un qui meurt. Ne suffoque pas dans les murs, chérie, j'arrive! Trop tard. Ah, mais non, c'est un squelette basique. Tu es nul! Tu es nul et en plus t'es blanc! Dans un monde de noir, c'est mal barré. Bon, vous pouvez me looter vos têtes, là, il nous en manque juste une. C'est quand on en a besoin qu'on n'a rien. Et arrêtez de me suivre, les pigmen, je suis pas votre ami! I am not Mais. your friend, do you understand? Aïe! Dans le trou. Je crois pas que c'est Ah! pour te Ma faire pute, des. il m'a pris! Oh! Il m'a fait peur! Il m'a pris. C'est pas drôle. J'allais dire, on va peut-être faire une ellipse, tu dis, putain, il m'a pris. Ah! Un noir. Ouais, Je suis pas un raciste, mais petit quand même, peu. hein, on prend pas comme ça par surprise. Bah non, faut au moins qu'on loot une tête. Le Danny aime se faire prendre par surprise. Pas du tout, c'est un truc que je déteste. C'est ça qui m'a fait, c'est ça qui a fait que j'ai arrêté de jouer à Minecraft pendant une période. Parce que les mobs Oh, m'ont. regarde, il y en a là-bas! Viens Oh, avec moi! j'arrive, c'est pas la peine de t'exciter! Il y en a là-bas, 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 Va te là-bas, 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 planter! là-bas, là-bas, Ouvre-moi le là-bas, chemin! Laisse-moi là-bas, faire, là-bas, je veux les là-bas, buter! là-bas. Oh, il y en a plein en plus. You are gonna die! Ouah! Aïe. Il m'a empoisonné. Il y en a que deux. Ah non, il y en a encore Non, il deux! y en a encore. Ouch! Ouch! Oh, t'as plus de Pas une seule casque. tête! T'as plus de casque. Non! J'ai plus de J'ai potes non plus. viens de voir ton papot tomber. Ah oui. Oh bah, plus de capiot, plus de pantoufles. Bah t'es dedans! Ah bah dis donc. T'étais tout nu? Moi t'es tout nu. Ah, t'es tout nu? Oh! Dégoûtant. You disgust me. Disgusting. Non, Oh Didier, putain, on je ne me sent sens pas pas le la grosse moule. postérieur des. Mais c'est bon, vous avez pas fini, restez. Snim Arrêtez, quoi! Merde, je suis pas votre snim pote! Arrête de me toucher! snim. T'as pas eu de tête. Non, j'en ai pas eu une seule! Non, les pigmen, me tapez pas là, je suis à moitié à poil en plus! Ouais, on ferait peut-être mieux de rentrer pour se faire du stuff, faire une ellipse, non? Qu'en penses-tu? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais, parce que je suis totalement nu. Et t'as une flèche dans le pied. Bon, attends qu'elle est pas dans le cul. Bonsoir, excusez-moi, je me casse. Donc on va retrouver. Donc vous allez faire le chemin avec nous. Parce qu'au cas où, hein, il y a des détails croustillants, n'est-ce pas? La seule chose qui est croustillante, c'est les champignons qu'il y avait sur mon ex. Oh! Oh, Oh! entre les orteils. Oh! Bah non, c'était pas sur les orteils. Enfin, à moins que ça s'appelle comme ça maintenant, mais. C'est dégoûtant. Je dois dégoûter la moitié des abonnés, ils vont tous devenir homosexuels. Hop, donc voilà la tour de l'amour. La tour du sexe. Du Rex.
Hop, je me casse. En plus, Tête. je suis niveau 22, je vais pouvoir commencer à enchanter mon armure en diamant. Ah, moi bon, les portes en fer. J'ai posé des portes en fer parce que ils Bonjour les pètent les chiens, c'est pas la portes peine en de... ils pètent pas la les peine portes en de... bois donc. Ah. Ça fait toujours du bien de péter. Alors, Donc on va vous faire une petite ellipse. le temps de se restuffer, Voilà, de tiens-toi, refaire hop. quelques potions, Ouais. de sodomiser quelques... Qu'est-ce qui rime en on? De sodomiser quelques champignons. Champignons, t'as pas trouvé mieux? Non. Bon, ben on va faire avec. On va sodomiser quelques champignons et on revient après. Voilà. À tout de suite, les Squeeze, amis. squeak, squeaker. Voilà, squeaker. Voilà, Squeak. vous entendez squeaker. On est revenu. Re, à Squeak, vous, à vous, à vous. squeaking. Nous Squeaker. revoici dans le Nether pour tenter d'aller buter du Wither, pour tenter d'aller looter ses crânes de Wither. Donc, ils ne sont plus aggro. Nous buvons la potion Strange, ce qui veut dire force, oui. Et Eh là, on peut ben. les buter, les one shot, et ils ne nous aggro pas. Ce qui peut être vachement plus sympathique, hein. Donc, on a niqué tous nos niveaux, vous les voyez, pour se refaire des bouquins, parce Ouais. que, bah parce qu'on n'a pas d'usine à XP, hein. On n'est pas sur Ragnablock ici, Ouais. hein. Nous, on joue vraiment RP. On fait tout à la main. Et quand on vous dit tout, c'est tout. Ouais, Et tout là, est je saute vous. dans le vide, ce qui va niquer totalement mon armure et mes cœurs, Hop hein. là, ouais, moi aussi, il faut rien. Donc vous voyez, j'ai une. Pareil, j'ai une épée, une armure en fer très basique que je n'enchante même pas au niveau 1 parce que je veux mon épée solidité 3 tranche en 5 et que j'ai pas encore les bouquins parce que ça me gouaque. Et que je passe du temps dans le Nether à buter du pigman comme ça. Mais là, on va tenter de. C'est con, on avait les têtes hein, si j'avais pas eu ce, si j'avais pas fait cette erreur de. Ah! Allez, je veux le retour à l'envoyeur. Bon, je te le laisse alors, le gast. Bah ouais, laisse-le-moi. Yeah! Et bah voilà, vous voyez un Ben equipment en direct. voilà, retour à l'envoyeur. Hop, merde, je suis tombé dans le trou. Je suis sûr que c'est parce qu'il était jaloux que Moi? Pas du tout. Je suis jaloux de personne. Toi, t'es mort. Mais Hop, donc je vais miner un peu de Ouais. quartz, hein, parce qu'on est là quand même pour XP, mais aussi tuer du Ouais. Wither Squelette. Mais bon, Wither Squelette, là le temps j'ai. qu'il spawn, on a le temps de prendre un peu Oh, de... j'en ai un devant moi. Oh bah bute-le, de toute façon, normalement, t'as une épée fortune, hein. Non. Non, bah attends, moi j'arrive. J'ai une épée fortune, donc... J'ai pas de fortune. Tu m'en avais fait une? Au tout départ, oui. Non, non. Ah non, c'était la pioche qui était fortune. Bon, bah tant pis, je l'ai buté. Ah bah moi aussi, j'en ai un. Et j'ai eu des os. J'en ai même deux. Et Savoir qu'au début de la snapshot, on a looté les trois têtes comme de rien. Alors est-ce que. Non, Oh les là cinq, là, les j'en ai cinq, deux. les cinq. Les cinq têtes comme de rien. Alors est-ce que c'était une erreur due à la snapshot, comme les snapshots, forcément, c'est des bêtas, donc c'est toujours rempli de bugs. Toujours pas de tête. Donc est-ce que c'était dû à la snapshot, le fait qu'on ait looté ces têtes comme ça? Parce que je me souviens que sur Ragnablock avec Fanzi, on avait galéré, et pourtant on avait tous des butins 3 sur Ragnablock. Bah, je pense qu'il y a un pourcentage de chance vis-à-vis d'une certaine longévité du spawn et de, mais aussi du nombre de squelettes tués par personne qui fait que... Bon d'accord, ça devient chiant. Non, en gros, tu te démerdes, c'est au bout d'un moment ou un autre, t'en auras. Ouais, voilà. C'est soit ça vient vite, soit ça vient pas. C'est un peu comme avec ta femme. Mais bon, comme tu es célibataire, c'est un peu comme avec ta main. Voilà. Hop, cette méchanceté. Tous ces hommes qui se crachent dessus. On sera dans un film porno Oh, gay. boucaquet, Oh, quelle horreur. Je suis en haut de la plus haute tour, de la plus haute tour. non, non, c'est pas la plus haute tour. Regarde, je suis au même niveau que toi. Merde. Hein? Non, mais Alors, hein? laisse-moi croire en mes rêves. Non, mais qu'est-ce que t'aider comme saloperie, toi, hein? Hop, bon, là en bas, il y a un mec. On va le buter. Voilà, je suis redescendu tout en bas Oh, il aussi. y a un... En bas là-bas, il y a un Wither Squelette. Ah, bah j'arrive.
En bas là-bas, t'es où? Je suis en bas, mais pas là-bas. En bas là-bas. Hop, j'y Ah, vais. là-bas! Voilà, là-bas, là-bas. Hop, vous Là-bas où? voyez, tout droit, regarde. Salut! Mais il n'a rien looté, hein. Donc voilà, vous voyez, comme un commandant qui guide ses troupes. Je veux guider autre chose, moi. Ah Ma main oui. dans ta gueule! Alors, on cherche les... Putain, le ventilateur m'a soufflé dans les yeux, j'ai les yeux qui pleurent. Ouais. Oh putain, cette histoire, elle est triste. Car tout à l'heure, il m'a dit, oh, j'ai plus de cigarettes, je peux pas fumer. Bon, bah, je vais allumer le ventilateur. Ah bah écoutez, quand on n'a plus de thunes et qu'on est à découvert, on ne peut pas s'acheter de cigarettes. Et puis, bah, on arrête de fumer. Et on allume le ventilateur, du Et coup. on allume le ventilateur, du coup, hein, parce que c'est la meilleure façon d'arrêter de fumer. Voilà. C'est de sniffer le ventilateur. En même temps, si vous mettez la langue dans les pales du ventilateur, vous n'aurez pas envie de fumer pendant un sacré moment. Non. Ni de manger d'ailleurs. Si vous voulez faire un régime, c'est un très bon conseil. Voilà, on aura pu travailler chez Weight Watcher finalement. Hein. Bah oui, c'est ça. Hein. Amel Bent à côté, c'est de la merde. Hein. Bah exactement. Ah! Je suis tombé dans le trou. Avec un Wither. Salut toi. Bonjour. Mais me loot pas ton épée, j'en veux pas! Bah, je t'ai pas demandé de tomber dans le trou, toi. Mais me tire pas tes boules, ça sert à rien, j'ai une potion. Bon, j'ai le temps de manger tranquille? Oui. Ah là là Vous là 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 voyez là là que là 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 là. Bon, vous je voyez balance. qu'il mange avec bruit quand même. Voilà. T'es content? T'as fait du bruit? Voyez qu'il est très Fais-leur bruyant. la blague que t'as fait la dernière fois là. Laquelle? Celle de la partouze. Ah, à quoi reconnaît-on une femme après une partouze? Donne un yaourt à un bulldog. Voilà. Bah, m'a fait marrer. Et le bruit que je viens de faire m'a fait encore plus marrer vis-à-vis de cette blague. Voilà. Non, mais... Bon, on va pas parler de sexe puisqu'on a des abonnés qui sont très jeunes, mais si vous voulez, on fera une émission spéciale sexe. Non, Oh. Et là, Minecraft en sexe et en famille. Non, tu vas voir dans les commentaires, c'est quand l'émission? C'est quand l'émission? on sait très bien que c'est la seule chose qu'ils veulent en regardant YouTube. Voir des boobs. Ouais. Alors, hop. D'ailleurs, je devrais faire un duo avec Alice Bloody Girl, mais dans ce cas. Je fais genre, je connais. Fais genre, je connais. Oh, eux connaissent sûrement. C'est une catcheuse? Non, Alice Bloody Girl, c'est une youtubeuse. Bonjour. Qui a des boobs assez conséquents, voyons. Oh! J'ai fermé les yeux, je ne veux pas lire le chat. Bah, il faut aller chercher mon stuff et au plus vite. Ouais, mais c'est où? Tout en bas. Je vais Alors, prendre une Ender Pearl. Ta gueule, le téléphone! Mec, qui s'énerve. Je vais venir en armure en or. Ah, quoique non, là, il y a une armure en fer toute niquée. On est des bons. Bon, allez. Petite potion de force 2. je pensais que ça serait passé. Elles Petite sont où potion. les Ender Pearls? Pide. Elles sont où les Ender Pearls? On n'en a Je vais pas. prendre une potion de speed et une potion de speed. Une potion de speed, une potion d'invisibilité. Je vais me foutre à poil et je vais y aller en courant. Ouais, mais moi je. On n'a pas d'Ender Pearls. Si, si, voilà. Ah. Hop, potion d'invisibilité. Je vais me foutre à poil, je vais disparaître. C'est bon, je suis disparu. T'en as d'autres, potions d'invisible? Gonezer. Oui, elles sont dans le coffre, cherche-les. Bon courage. Moi, je vais dans le Nether, je vais me dépêcher d'aller chercher notre stuff parce que sinon, on est dans le cul. Ou dans le beau drap Allez aussi, monsieur. hop, je vais tenter d'aller avec toi, mais je me rappelle plus exactement où c'était. Enfin, je suis tombé vers ton stuff, hein, puisque. Vous voyez que je ne rage point. Non, moi non plus. On a juste fait quelques chutes terribles. On est quand même des sacrés branques pour en arriver à tomber comme ça, mais c'est pas grave. Écoutez, on y va quand même. On va chercher notre stuff. Moi, je suis invisible, donc personne ne peut me voir. Oui, Donc Fred oui. ne sait même pas où je suis, hein, et tant Oui, mieux, ben. parce que je suis juste derrière toi.
Non, je déconne. Alors, hop, c'est parti. J'ai même pas de potion de fire résistance. J'irai les récupérer après de celles qui sont tombées par terre. Ouais, bah j'ai moi j'ai mon underpearl dans la main. Il ne faut surtout pas que je fasse le clic droit. Ce sera totalement débile de l'envoyer. Alors, vous voyez que j'ai fait la connerie la plus conne à ne pas faire, c'est que j'ai miné en dessous de mes pieds pour descendre le plus rapidement possible. Cherchez le stuff. Cherchez le stuff de Danny. Et vous voyez, c'est la connerie vraiment à ne pas faire. Et d'ailleurs, j'ai pas d'outils, donc j'ai une underpearl. C'est bon, j'ai le stuff. Ah, t'es où ? Hop, j'en ai un peu beaucoup d'ailleurs. Je crois qu'il y en a la moitié qui sont tombés dans la lave. J'ai ton pantalon en fer. J'ai mon pantalon. Est-ce que tu as Shane ? Alors, je vais essayer de récupérer tout ce qui est épée et conneries comme ça. Par contre, je ne sais pas où t'es, où tu es. J'ai mon épée. Au niveau des armures, on s'en branle de toute façon. Ce qu'il nous faut, c'est surtout le matos là. C'est surtout le matos, ton épée, ta pioche et ta hache ici. Alors j'ai ton arc, c'est bon. J'ai Shaina. Ah. Je te laisse te TP à moi, Pierre. Ah oui, ben là je vais m'accorder un TP hein, parce que. Hop, et j'ai mon arc. Donc voilà, je te laisse te TP. Moi je suis habillé. Pour toi. Tac, voilà, je suis là. Voilà. Alors, mes potions. Hop, ah oui, l'arc, oh putain. Le plastron, vais le mettre, c'était le mien. Oh, purée. Hop, je te laisse juste t'habiller, s'il te plaît, parce que c'est perturbant quand tu es nu. Oh, avoue que tu aimes. J'ai ta flèche spectrale, alors ça, je peux le balancer. Hop, alors, qu'est-ce que j'ai ? Il n'y a plus de stuff qui traîne, c'est bon. J'ai ça. Il n'y a plus de stuff qui traîne, on a tout. J'ai deux armures, c'est normal. Oui, puisque j'en avais pris une. Alors attends, je te donne. Okay. Shaina, ton arc, ta flèche spectrale, ton armure en fer basique, j'en ai une enchantée, donc tu jettes ce que tu veux. Je te rends tes deux sceaux. Ça, c'est une potion de force, je la garde pour moi. Une fire résistance. Je te donne une fire résistance, une potion de force. Alors là, j'ai une autre potion de force. Désolé, je mets de l'ordre dans mon inventaire. Là, j'ai une fire résistance, j'ai une troisième potion de force. Combien tu as de potions de force, Fred? Attends, je suis en train justement de mettre de l'ordre pour voir. J'ai pas ma pioche? Strange. Moi, j'avais pris une pioche en fer basique. T'as pas ma pioche? Une pioche en diams? Non. Elle a cramé? Ah, y a des chances. Fire. Oh la pute. Fire. Oula, j'en ai de la fire, dites donc. Je vais économiser les enderpearls. Bon, bah, ma pioche en diam, ça a cramé. C'est peut-être la seule grosse perte. J'ai 3 potions de force. T'as 3 potions de force? Ouais. J'en ai 3. J'en ai. 1. 2. 3 potions de force aussi. T'as combien de fire résistance? J'en ai 3 aussi. J'en ai que 2, mais c'est pas grave. Tiens, j'ai ton Non, j'en ai. Attends, j'en ai 4, je vais t'en donner une. J'ai régène. Régène. Non, j'en ai 3, mais je t'en donne une. Non, c'est bon, j'en ai 2, donc ça va, je m'en fous, moi, je sais me démerder dans le Nether. Puis t'as des pommes d'or? Non. Tiens, je t'en redonne 3. Hop. Hop, c'est quoi cette épée? Voilà. Une épée en fer recul, c'est normal que. Moi, ce qui me fait chier, c'est que j'ai perdu surtout mon arc. Enfin, pas mon arc, mais mon. Ma. La pioche. Est-ce que tu as ma pelle? Efficiency, je sais pas combien. J'ai une pelle en fer. Ouais. Efficacité 4, tiens. Ouais, c'est la mienne. Hop, c'est très perturbant de voir des armures sans personne dedans. J'avoue que. Enfin bon, moi aussi, je suis un peu perturbé par les morts qu'on a eues. Du coup, on est un peu des grosses brêles. Sur ce coup-là, ouais. Et moi, j'ai miné comme un con sous mes pieds. Alors qu'il tu pourrais m'en rendre quelques-unes de mes côtelettes. Ah merde, oui, j'en avais pas tant. Tiens. Merci. Donc, c'est bon, on peut retourner buter du mob maintenant. Donc, on va pas détruire, enfin, utiliser les enderpearls. Par contre, j'ai plus de pioche du coup. Ouais, moi j'avais une pioche en fer basique. J'aurais préféré que ce soit celle, elle, qui tombe dans la lave et que la pioche en diamant reste, quoi. Ce qui est con, c'est que j'avais plus de 20 de niveau. Donc il faut refaire du level. Moi ça va, j'en ai récup 8. J'en ai 7, moi là. Alors, je suis invisible. C'est marrant parce qu'en haut, tu te vois tout mâcher, t'es tout.
Non? Je vais reprendre une potion de force. On reprend de la force. Une potion de fire résistance. Fire résistance, je la prends que vraiment si je me trouve dans le feu. Alors attends, j'entends du bordel. Est-ce que ma famille est en train de rentrer? C'est le mec, c'est ce qui surveille. Non, même pas, ils sont pas rentrés. L'angoisse, c'est ma famille. C'est ma famille. Merde. Faut pas qu'ils me voient nu. Non, c'est bon. Et du coup, j'ai repris mes potions, donc c'est parfait. Bon, bah la seule grosse perte qu'on aura eue, c'est donc c'est la pioche, ma super pioche. Bon, on a de quoi en refaire une très bonne pioche en diams, efficacité, je sais pas combien, vu qu'on a beaucoup de bouquins efficacité. Donc, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Mais on n'a toujours pas notre tête de wizard. Donc, du coup, on devait faire une ellipse. On n'a pas fait l'ellipse. Mais je pense qu'on fera le wizard dans le Et prochain si on a fait épisode, une non? ellipse? Non, parce que je suis mort entre-temps. Ah, t'as enregistré du coup toutes les conneries que j'ai dit quand je suis mort? Bah oui, puisque je suis mort avec toi, donc du coup j'ai pas fait Non! l'ellipse. Non, mais non, mais c'est pas vrai! Mais non, mais j'y crois pas! Mais c'est pas T'es mort. possible! Mais t'es mort là. Ah bah heureusement que je suis pas parti, dis donc. Bah oui, bah la moitié de mon stuff est encore cramé! Dis-moi que t'as juste mon épée et mon arc! Oui. Hop, Je m'en alors fous, attends. j'appuie pas sur le bouton ressuscité. Ah si. Je boude! Oh Je non. boude le ventilateur! Mais non, j'ai l'arc, Le j'ai tout, j'ai les. ventilateur! Ouais, mais reviens vite, je peux pas tout prendre. C'est trop gros. Pardon. Ok, bon, je reviens, c'est bon. Je suis si indispensable que ça. Alors. Bon, je vais me TP, je vais me permettre de me TP puisqu'il est directement à côté de mon stuff. Si on le fait, c'est pour la rapidité, sinon bon. Bah ouais, sinon, voilà Et au quoi. pire, on vous emmerde. Voilà. Non, pas du tout. T'es méchant là, Dany, avec eux. Moi, je suis En fin de compte, triste. le wizard, il m'a poussé dans le vide, quoi. Tiens. Bon, bah du coup, j'ai plus de level. J'en avais 8. Putain, tranchant 4, recul 2, butin 3, solidité 3, aura de feu 3. Ça Voyez un petit s'appelle peu. une épée de malade. Enfin, moi, aura de feu, je suis pas Veux fan. bien des côtelettes, hein. J'en ai que 16. T'as tout bouffé? T'as plus de côtelettes? Oh non, on me dit pas qu'elles ont sauté dans le vide. Elles se sont suicidées. Comment tuer une vache une deuxième fois? Tiens, on va partager. Non mais c'est bon, j'ai 11 poissons donc ça suffira. Tu crois? Oui, de toute façon. Par contre, je veux bien. Là, j'ai une J'ai potion de 5 pommes crunch, une potion d'or. de fire résistance. Bon, je vais reprendre. Tiens. Hop, j'en veux bien deux pommes d'or. Ça me suffira. Hop, je veux bien juste une potion de fire résistance, une potion de strange. Merci, madame. Maintenant, toi, t'es mort. Voilà, c'était ma vengeance. Voilà, Bon. donc comment tuer un bœuf une deuxième fois en jetant ses Bah. côtelettes dans la lave. Bon, Voilà. on va essayer de pas mourir. On va peut-être mettre fin à l'épisode, non? Il y aurait pas mal de temps. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, j'ai pas de pioche, je te rappelle. Je te rappelle. Parce qu'il lui faut des pioches pour me rappeler, vous voyez. Il a Je te pas de. rappelle, petit con. Qu'il est con, ce gosse. Le gars appelle avec des pioches, quoi. J'ai pas de pioche, je te rappelle. Allô? Ouais, j'ai pas de pioche, je te rappelle. Ah, mais t'as ton téléphone là, oui, mais j'ai pas de pioche. Alors, je te rappelle. On a compris. Elle est drôle une fois, la vanne, pas deux. Butez-le! Garde! Gars. Voilà, j'entends encore du bordel. Serait-ce ma famille? Allô, j'ai pas de pioche. Ah non, en fait, c'est le cutéreux qui fait autant de Non. bruit. Le Il va cutter. falloir qu'il se calme, hein. Il a un cutter. Par contre, moi, c'est pour remonter, n'est-ce pas? Pour remonter, je vais pas me faire chier. Ça, j'avais compris. Bon, bah, du coup, faut à nouveau XP. Doum. C'est déprimant. Faut un nouveau XP, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met fin à l'épisode ou? Bah, on met fin à l'épisode et malheureusement, vous n'aurez pas pu voir le super combat qu'on a fait contre Ouais. un. Vous aurez vu par contre une magnifique chute et puis deux morts de Danny Pingui. Deux morts absolument épiques. Voilà, j'ai retrouvé mon Danny. Hop. Et il m'a piqué mon bâton en plus. Et je vais piquer son bâton. J'aime bien piquer le bâton de Danny. Ah, moi j'aime bien les bâtonnets de poisson. Captain Iglo. Référence, hein, pour ceux qui auront compris la vanne.
Hop. Il y avait une panne cachée avec une sacrée référence. Hop là. Allez, les Wizards. Donc voilà, bah écoutez, parce que l'épisode, à mon avis, dure, non ? Très long. Bon. Et là, il va me dire, j'ai oublié d'appuyer sur F9. Non, j'ai pas appuyé. J'ai pas appuyé, ça va plus vite. Ça va plus vite, comme ça. Pas d'oubli à avoir, j'ai pas appuyé. Donc voilà, bah, on espère quand même que cet épisode du fail, que c'est... Et ne dites voilà. Pas plagiat Fantin, on l'a pas fait exprès. Je m'en doutais. Hein. Vous avez plagié Bob Lennon au début, maintenant vous plagiez Fantin. Vous plagiez Fantin. C'est inadmissible. Ça va pas le faire, c'est inadmissible. Ça va le porter plainte. Ça va être si on fait une vidéo sur le Fanta Bob World. Ouais. Oh, plagiat total de Fanta et Bob. On va le dire à notre maman et à notre papa. On va aller le voir en convention, il va vous foutre la fessée. Ah oui, la fessée. Tu peux pas savoir ce que ça me fait plaisir, petit. Oh, oh putain, avec voilà la voix. Voilà, on plagie pas Fanta et Bob. Non, parce qu'on est pire que... On est plus dans la dissidence que dans l'outrance. Hein. Ah bon. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Et un commentaire, même pour se foutre de notre gueule qu'on est mort comme des quiches. J'aime bien la quiche. Mais nous, on a été des quiches et on n'était même pas Lorraine. Ah bah non, je suis toulousain. En tout cas, bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye. Bande de manchots. T'es où que je te retrouve avant? Attends, avant de dire au revoir avant de dire au revoir. Faut que je te retrouve. Ah, attends, il y a un Wither Skelet ici. Il y en a deux. Peut-être. Qui sait ? Peut-être ? Non. Ou peut-être pas. Non, fallait pas espérer. Bon, alors, attends, j'arrive. Ah, attends, il y en a encore un sur le chemin. Il y en a trois sur le chemin. Donc, si l'épisode dure 2 heures, voilà, j'ai retrouvé Dany. Aucune tête, quoi. J'en perds voilà. La tête. Voilà, c'était voilà. Du pâté bon. De tête. Voilà. Ça, au moins, c'était clair. Net. C'est là que je suis tombé. Faut reboucher ce trou. Fred. Il m'appelle le trou maintenant. Bah, avec plaisir. Oh, mais non. Mais quel dégoûtant. Je me dégoûte. J'ai envie de vomir. Bon, allez, mets fin à l'épisode et après je vais vomir. Ouais, c'est là que je suis tombé et que je suis mort comme une merde. T'as vu, j'ai une épée en or. Eh, regarde, je peux faire une épée disco. T'es prêt? Alors, c'est 8 et 9. Oh, et Périsco. Vous serez pas venu pour rien. Périsco. Vous aurez eu l'épée disco. Oh. Périsco et Périsco. Yeah. Poisson. Allez, pendant que je vois un gars, c'était dans le rétroviseur. Puis je suis en double F5. Bisous, filles, amitié aux gars, et à très très bientôt. Bye. Bande de manchots.